Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. En réalité, il y a certaines choses qu'on fait en Occident dont nous, on n'a pas encore besoin. Vous voyez ? Bon, en Occident, ils sont dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont une population vieillissante. Ils ont un problème ils n'ont pas la jeunesse, ils n'ont pas la force. Donc, ils sont en train de réfléchir de remplacer les hommes par les robots, par l'intelligence artificielle. Bon, nous n'avons pas le même contexte en Afrique. En Afrique, nous avons des jeunes qui n'ont rien à faire. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller vers la mécanisation de l'agriculture, mécanisation de nos activités. Et surtout l'agriculture. L'agriculture pour consommer la majorité de la jeunesse qu'on a. Comment fabriquer les tracteurs agricoles? Comment fabriquer les pompes submersibles? Comment fabriquer les foreuses en Afrique pour faire des forages dans les champs? L'agriculture peut occuper la majorité, l'agriculture et la transformation des produits agricoles peut occuper la majorité de la jeunesse africaine. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, c'est chez les Blancs qu'ils ont besoin de ça parce qu'ils ont une population vieillissante et ils ont problème de main d'œuvre. Donc ils sont en train de penser comment remplacer les gens par les robots. Donc nous, on n'a pas besoin de formation de robotique en Afrique. On n'a pas besoin de l'intelligence artificielle en Afrique. On a besoin des mécaniciens qui vont prendre leurs mains pour conduire les tracteurs, réparer les tracteurs, les machines agricoles, les foreuses, fabriquer, souder. Voilà ce dont on a besoin. Donc, pour le développement industriel de l'Afrique. Nous avons besoin des géologues qui sont capables de prendre des machines pour aller creuser et sortir de l'or que nous avons. On n'a pas besoin que c'est les Occidentaux, les Canadiens, les Australiens qui vont venir extraire l'or pour nous. Nous devons former nos géologues à savoir comment utiliser les engins. Parce que un géologue, il faut qu'on sorte et le minerai pour que lui puisse analyser. Mais c'est les machines qui sortent les minerais dans le sous-sol. Ces machines-là, c'est les mécaniciens qui savent utiliser ces machines-là. C'est en cela que l'Occident nous a eu. Donc nous devons former des ingénieurs mécaniciens pour qu'ils prennent les machines et les bulldozers, les machines, les extracteurs, les cracheurs pour aller chercher l'or pour nous. Et les ingénieurs et mécaniciens vont investir dans l'agriculture pour produire massivement pour nous en Afrique. Voilà ce dont on a besoin. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.